Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours chez Acer, ici à New York, qui présente sa nouvelle gamme 2019 de ses PC gaming, PC classiques et sa nouvelle gamme Concept D, nouvelle marque d'ailleurs. Et ici on est en présence du nouveau Predator Helios 700, le nouveau fer de lance du constructeur taïwanais, une machine de guerre, hein, avec on monte là jusqu'en Core i9, on a de la RTX 2080, on a un écran 17 pouces en 44 Hz, avec du G-Sync, etc. Enfin, c'est une petite brute. Et surtout, comme d'habitude, en fait, Acer nous propose une machine un peu d'exception et qui présente un aspect particulier. Après son 21X, il y a un ou deux ans, qui présentait un énorme écran, on a aujourd'hui, en définitive, un clavier escamotable qui laisse apparaître le circuit de refroidissement, le circuit graphique qui est en dessous, et deux ventilateurs de part et d'autre de la machine. Donc ça, c'est pour le petit côté esthétique. On a bien évidemment du coup le clavier qui, comme vous pouvez le voir en fait, lorsqu'il est décalé, eh bien hop, descend automatiquement pour pouvoir laisser une petite pente douce et bien accueillir la main du joueur. On a aussi l'autre nouveauté, ce sont les touches. Donc voilà, des touches MacForce qui ne sont utilisées que pour le ZQSD français, hein, WASD ici, et qui permet en fait d'avoir des touches analogiques, avec une pression analogique. Donc on va essayer de montrer ça en vidéo, c'est pas forcément évident, mais voilà, là je marche normalement, et là j'appuie beaucoup moins fort sur ma touche, et voilà, là je vais juste marcher beaucoup plus lentement. Si j'appuie plus fort, j'avance plus vite. On retrouve vraiment le principe des sticks analogiques, des manettes de PS4 ou PS3 ou même du coup de la Xbox One. Donc c'est une petite innovation, toujours sympathique. Je ne sais pas si ensuite ça pourra apporter vraiment plus de confort aux joueurs, mais bon, c'est toujours une innovation qu'on espère aussi voir apparaître sur le reste de la gamme, peut-être sans doute dès l'année prochaine, et éventuellement même atterrir sur les Nitro qui sont l'entrée de gamme gamer d'Acer. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur Tom's Guide.